faire part dans quelques moments de tes impressions sur ces deux modèles. Qu'est-ce que cette Ligier JS2R? On connaissait une Ligier JS2, on connaît Ligier bien entendu en Formule 1 avec Lafitte, De Payet, Pironi, Ligier homme d'affaires, Ligier entrepreneur, sportif, champion d'aviron, champion de motocross, champion de rugby, pilote de Formule 1, pilote au Mans, grand ami de Joe Schlesser qui valent à ses voitures les initiales du pilote disparu, JS. Et Guy Ligier, avec Joe Schlesser, avait l'intention, à la fin des années 60, de construire une berlinette qui aurait été la concurrente de l'Alpine ou de la Porsche 911. Malheureusement, Joe Schlesser disparu, Guy Ligier a dû porter le projet seul et ça a donné naissance en 1971 à la Ligier JS2. Une voiture à moteur central, animée par le 6 cylindres Maserati de la Citroën SM, carrosserie en polyester, châssis conçu par Michel Tétu, voiture donc très performante, un moteur de 170 chevaux, mais une voiture qui s'est très mal vendue. Donc Ligier a évolué, l'homme a disparu, l'entreprise a continué essentiellement avec des voitures sans permis, et la branche voiture de compétition a été reprise par Jack Nicolet de On Rock Racing, qui a donné naissance à plusieurs modèles en LMP2, LMP3, et également à cette formule monotype, donc la JS2R, qui est homologuée FIA dans la formule Silhouette et qui est caractérisée par un châssis en tube d'acier, une carrosserie en polyester. Son moteur est un 6 cylindres Ford de 3,7 litres qui fait 330 chevaux de puissance. La voiture pèse 980 kg. Une belle voiture de sport conçue pour le circuit, non homologuée pour la route, et qui court sur 7 épreuves annuellement, formule monotype. Richard va essayer cette voiture et nous dire ce qu'il en pense sur le circuit du Luc chez AGS F1. De là, après dans l'épingle de là-bas, et après je prends le petit circuit avec l'épingle gauche, tu sais, le tout comme petit. Comme ça, t'as un gauche, oui. Oui, pour pas aller vite. Personnellement, je trouve ça génial parce que c'est une vraie voiture de course. Je ne veux pas faire de comparaison avec l'Alpine, le dernier essai qu'on avait fait, parce que l'Alpine, c'était une voiture qui était faite pour la route. Elle s'est très très bien comportée sur le circuit aussi, mais au départ, elle est faite pour la route. Celle-ci, elle a été fabriquée pour aller sur un circuit. Et d'entrée de jeu, dès le premier tour, tu vois bien que c'est une voiture de course. Ça veut dire que tout est pensé pour le circuit. Donc, la voiture n'est pas lourde. Et elle est facile à conduire dans la mesure où le travant est très précis. Il n'y a pas grand chose qui te gêne dans l'apprentissage du pilotage de cette voiture. Bon, moi personnellement, il y a des petits détails, mais qui sont rien du tout. Hein. Je veux dire, le repose-pied qui était un peu trop à gauche, donc j'avais un problème avec le pied pour reposer mon pied, donc ça c'était un peu gênant. La direction était aussi un peu basse, mais bon, il m'a dit que c'était faisable de la remonter, donc ça je ne le savais pas, donc ça encore. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Après, je manquais d'air, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui et je n'avais pas d'aération dans la voiture. Bon, ça c'était un petit... Mais ça, ce sont des détails de confort. Concernant la voiture, si on parle du moteur, c'est un moteur qui est plein à bas régime, qui est souple, qui ensuite est relativement linéaire dans ses tours, et après, en haut dans les tours, il envoie encore de la puissance. Donc c'est sympa, il est très sympa le moteur. Les freins, il y a RAD, quoi, tout va bien.
et la voiture est stable. La motricité, on peut gagner aussi encore en motricité. Je préfère, elle motrice bien, mais en changeant un peu les réglages aux hauteurs des caisses et tout, on peut gagner encore, la rendre encore plus efficace si on veut. Mais il y a le potentiel est là. Franchement, c'est. Le mec qui fait une course avec ça va se régaler.